C'est vrai que nous vivons dans une société qui est en train d'éclore, en fait. Et des choses qui n'ont pas pu être dites sont en train de se dire, des choses qui n'ont pas pu être exprimées s'expriment maintenant. Donc, je peux dire que la culture en général au Maroc est en pleine ébullition. Et on sait très bien quand un volcan explose, il y a toujours des dégâts. Mais en fait, moi je pense, j'ai un avis assez personnel sur ça, c'est que la culture, c'est un amas de plusieurs sources. C'est-à-dire, on ne peut pas. C'est-à-dire, le livre, il est tributaire à la peinture, qui est tributaire à la poésie, qui est tributaire à la musique, qui est tributaire à la sculpture, qui est tributaire au cinéma, etc. Donc, une société ne peut fonctionner réellement sur ce plan-là que si toutes les sources culturelles collaborent à créer, si vous voulez, un mouvement culturel. Et là, je pense qu'au Maroc, on est encore loin de cette configuration. Parce que c'est vrai que le cinéma bouge plus que les autres arts, tout simplement parce qu'il y a le système de fonds d'aide qui lui a permis d'exister. Mais j'aimerais bien aussi que, parce que le théâtre doit contribuer, les expositions, c'est un public qui apprécie le théâtre appréciera forcément un film et un tableau, un poème, etc. Mais je pense qu'on est encore au début.